là. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de mathématiques de la classe de Terminale portant sur la notion, une notion très importante et incontournable dans le programme de mathématiques de la Terminale. Et le cours que je vais vous présenter portera sur les primitives. Donc, la notion de primitive d'une fonction numérique f qui nous permettra donc plus tard d'introduire une fonction incontournable très importante donc en terminale S2 qui est la fonction logarithme de Une primitive d'une fonction numérique f, une fonction f donc étant donnée, soit f une fonction numérique. Défini sur un intervalle i et on appelle une primitive de f sur i sur l'intervalle i toute fonction numérique f une fonction numérique notée grand F définie sur I et telle que quel que soit x appartenant à I, grand F prime de x c'est égal à petit f de x. Et donc cette fonction grand F est appelée une primitive de la fonction petit f sur i. Et donc, très souvent, on peut dire qu'une primitive, c'est l'opération inverse de la dérivée. Donc, une fonction f étant donnée, une fonction f de x numérique, on a déjà appris depuis longtemps à calculer sa dérivée qui est notée f' de x. Et maintenant, f étant donnée, il faut trouver une fonction grand f donc de x, tel que si on la dérive, on trouve f de x. Et cette fonction grand f de x est appelée une primitive de la fonction f sur i. Une primitive voilà, de f sur l'intervalle i. Et là aussi, dans la définition, donc, vous entendez parler de une primitive, tandis que pour la dérivée, on parlait de la dérivée de la fonction f. Donc cela veut dire qu'il y a une différence. Une primitive, cela veut dire qu'une fonction f admet plusieurs primitives. On dit même en mathématiques qu'une fonction f admet une infinité de primitives, tandis qu'elle admet une et une seule dérivée. C'est pourquoi on dit la primitive de f, une primitive de f et la dérivée de f. Donc on récapitule, une primitive d'une fonction numérique f donnée, f une fonction numérique, définie sur un intervalle i. Une primitive de f est une fonction notée grand f, voilà, qui est définie sur le même intervalle i et dont la dérivée c'est égal à petit f. Donc quel que soit x appartenant à i, grand f prime de x c'est égal à petit f de x. Maintenant, trouver une primitive, c'est encore un tout petit peu plus difficile que de calculer la dérivée d'une fonction.